investi, on joue comme le dernier match hier. Ok, gamin, à bloc. Bah, mon rôle, c'est de faire gagner mon équipe. Donc, ça va être un parcours semé d'embûches. Mais j'y crois. J'y crois dur comme fer. On s'est préparé comme jamais. Donc, que les gros clubs se méfient, Dirino arrive. C'est d'essayer d'amener les enfants le plus loin possible, mais bon, ça va être... On verra. Bah c'est, on a un sophrologue qui va nous amener à la victoire, parce que c'est essentiellement mental. Et puis ensuite, bah le talent fait la différence. Alors, se préparer, ça a été très très compliqué cette année, hein, avec la météo, on n'a pas pu s'entraîner, ou très peu, beaucoup de salles. Si ça avait été un tournoi en salle, on était bien. Alors, bon ben, bah, on verra. Entraînement très très intensif tout au long de l'année. Entraînement les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, et match de samedi quand ils ne sont pas trop fatigués de leur semaine. Alors le rythme, en fait, ben voilà, ça dépendait aussi de la météo. Un ou deux entraînements par mois quand la salle était disponible. Voilà, et puis on essayait de s'entraîner plus pendant le championnat, quand il y avait match. Je crois que c'est Georges Brassens qui a dit tous derrière et lui devant, ben nous c'est lui devant. Dirinon par rapport aux autres équipes, et ben on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Je sais pas. Je crois que ça vient essentiellement du coaching. Par contre, il va y avoir une grosse difficulté. Là, il y a quand même des clubs assez huppés et on va encore se faire piller la plupart de nos joueurs. C'est un tout petit peu ma crainte. Donc, attention. Attention. Après, gagner, c'est une chose, mais qu'ils se fassent plaisir, qu'ils se comportent bien, qu'ils portent bien haut et fort les couleurs du club. Qu'ils essayent de me copier, on verra leurs résultats ensuite.